Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, là dans le dernier épisode, nous avons eu enfin des vaches, 4 vaches qu'on a achetées, si je me rappelle bien. Et pour le coup, bah, je me demande si vous allez bien, parce que moi ça va super, parce que tout simplement, on arrive très vite aux 700, il nous en reste plus à peu près 10 abonnés pour arriver à 700, et ça franchement c'est super cool, j'ai super hâte, je compte sur vous les amis, pour nous les faire passer. Et puis, bah, pour le coup, on va se retrouver tout de suite après l'intro, dans la partie. Donc du coup, bah, dans le dernier épisode, nous avons, comme je vous l'ai dit dans l'intro, nous avons acheté 4 vaches. Donc là j'en ai 2 là, et je vais en avoir 2 autres qui traînent quelque part par là. Effectivement, elles sont là. Donc du coup voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est déjà on va regarder qu'est-ce que les vaches ont besoin pour du miam miam, parce qu'elles ont rien à part du foin. Donc du coup on va leur mettre une ration, bah, la ration, ils ont pas d'eau, ils ont pas de paille. Donc du coup qu'est-ce qu'on va se faire? Parce qu'attends, parce que là. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Déjà, je peux mettre du foin. Du foin, attends. Du foin, on peut leur mettre. Du foin, on peut mettre. On va faire comme ça. Au pire, attends, on va prendre le tracteur. On va la jouer un peu plus réaliste quand même. On va prendre le tuteur. Et il me semble que j'ai un axe qui est voilà, désactivé. Donc, c'est bien ce que je pensais. Hop, donc du coup, je vais aller régler ça tout de suite. Donc, du coup, je vais faire juste un petit cut. Hop. Donc du coup voilà, j'ai fait un petit cut vite fait parce que voilà, j'ai eu un bug dans les commandes une fois de plus. Donc vu que excusez-moi, vu que hier c'était la série TP, donc comme vous avez pu le voir dans l'épisode d'hier, j'ai tout simplement dû faire quelques réglages parce que voilà, quand vous passez d'un chargeur à une pelle, vous avez au moins un axe à changer minimum, et c'est là ça a foutu le bordel. Donc du coup là j'ai réglé le problème, donc c'est bon là maintenant ça marche. Même si l'axe est inversé, je vais remettre l'axe dans le bon sens quand même, parce qu'autrement ça va me gêner. Lever l'outil. Allez, sauvegarde. Allez, mon coco. Voilà. Alors, normalement. Non, putain, mais. Oh, mais merde, à la fin. Oh, c'est ça qui galère. C'est pour ça que c'est ce que j'en ai parlé hier. C'est ce que j'en ai parlé. C'est ce que j'en ai parlé hier. Normalement, c'est bon. Qu'est-ce que. Ouais. Enfin, bref, on va faire avec parce que là, c'est bon, je vais pas passer 3 heures. Donc c'est ce que je parlais hier, voilà, c'est ça qui est chiant, c'est pour ça que je veux passer sur un jeu vraiment spécialisé dans le TP, pour que ça soit plus réaliste. Et comme ça, de cette façon-là, j'aurais plus du tout à m'emmerder. J'aurais plus du tout à m'emmerder à essayer de trouver les réglages à chaque fois, parce que voilà, c'est super super emmerdant. C'est super emmerdant, donc à chaque fois c'est la même histoire. Et franchement, c'est vraiment très très chiant. Merde. Attends, du coup, bah oui, vu que j'ai des axes. Oh putain, j'ai 2 axes dans. Oh, oh là là. J'ai 2 axes foirés. Tous mes axes sont complètement foirés. Merde, c'est pas grave. On va réparer ça un peu plus tard. Enfin, je ferai ça une autre fois, pour le coup. Donc du coup, voilà, c'était pour ça que j'en avais parlé dans la vidéo d'hier. C'est vrai qu'au niveau des axes, etc., quand vous changez de pelle, vous avez une chance sur 2. Que ça soit bien. Vous avez une chance sur 2 que ça soit bien. Et le petit souci, c'est que en plus, le petit souci, c'est que bah à chaque fois que vous, si vous êtes sur le même chantier, si vous avez besoin d'une chargeuse, bah, vous êtes obligé d'aller retourner dans les paramètres, régler tout ça. Ouais, c'est vraiment, c'est une galère. Donc franchement, c'est pour ça que je veux arrêter le TP sur farming. Donc du coup voilà, voilou. Mais bon, pour le coup je vais essayer de continuer quand même. Attends, je vais prendre de la paille. Est-ce que je peux mettre de la paille comme ça sans la pailleuse? Je vais essayer quand même de faire de vous faire du TP jusqu'à la fin de l'année, comme je l'ai dit dans l'épisode. En moins que franchement j'en ai vraiment plus que marre et que
et que bah, je décide tout simplement d'arrêter de passer sur un autre jeu. Donc voilà, vous verrez par la suite. J'ai regardé aussi donc pour je crois que c'était Gold, ouais, c'est Gold Rush The Game. Donc c'était le fameux jeu de chercheur d'or. J'ai regardé donc sur Instant Gaming, je l'ai pas trouvé. Donc du coup je me suis un peu renseigné et on m'a dit dans un commentaire, on peut pas évidemment, on m'a dit dans un commentaire, je vais être obligé de chercher une pailleuse, fais chier. On m'a dit dans un commentaire que il est disponible sur Steam mais pas sur Instant Gaming. Donc pour le coup je regarderai ça sur Instant Gaming. J'ai pas regardé le prix, mais par contre j'ai regardé aussi ce matin, j'ai pensé à regarder le prix que coûte BNG. Donc pour le coup il est sur Instant Gaming, il est, enfin sur Instant Gaming, sur Steam, il coûte pas cher. Il coûte vraiment pas cher, mais le souci c'est qu'il est en anglais. Mais bon, après je pense pouvoir m'en sortir, hein, c'est pas trop compliqué. Au début je vais galérer comme un porc, ça c'est sûr. Mais c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Donc du coup voilà, peut-être que je vous le ferai. On verra par la suite. Tu m'emmerdes. Faut pas détacher l'équipement. Ah mais merde, putain, j'en ai marre de me faire troll aujourd'hui. Voilà. Non. Alors ça par contre j'espère que ça va changer aussi sur le 21. Qu'on puisse détacher tout. Mais non! Oh, mais fais chier à la fin! Ouais, tant pis, la bière, on va le garder sur la fourche. On va le garder sur la fourche, on va aller se chercher une pailleuse, mais je vais regarder le prix quand même. Combien que ça coûte une pailleuse? Parce que pour le coup, une pailleuse, ça coûte des ronds. Alors, c'est dans animaux. Alors, j'ai la cune, un 25 000. Putain, j'ai pas voir, fais chier. Autrement, j'ai celle-là qui coûte 37 000. Merde. Parce que là, j'ai trouvé des bols mélangeurs, du coup. J'ai trouvé des bols mélangeurs. Le plus gros, il fait 8 000. Non. Le plus gros, il fait 29 000. Donc, ça va. Fait chier. Parce que, est-ce qu'on peut se faire un emprunt? Parce que dans ce cas-là, on peut pas leur mettre de paille. Et du coup, bah, on ira se faire... Non, je peux pas faire d'emprunt parce que je suis en emprunt max. Bah du coup on va poser le tracteur et puis on va aller se faire une mission. On va aller se faire une mission qui rapportera un peu plus, hein. Putain, fait chier. Qui va rapporter un peu. Hop, donc du coup on va aller voir dans l'émission qu'est-ce qu'on peut se faire d'intéressant dans l'émission. Comme ça va changer un peu aussi. Parce que j'aurais bien voulu faire de la rue, et ça je sais que la rue bannée ça coûte des ronds. Alors, mettre de l'herbe en balai. Attends, faucher de l'herbe dans le champ 24, ensuite mettez de l'herbe en balle et en balai là pour faire des balles d'ensilage apportées à grand à la... à les balles à grange. Donc c'est dans le champ 24. Bah on va se faire ça tranquillement pour cet épisode-ci, et puis on encaissera les sous l'épisode prochain. Oh non. Oh le con. Je suis vraiment con. Voilà, échec de mission. Obtenir. Est-ce que il va réapparaître quelque part? Comme un con, j'oublie. J'ai pas fait emprunter les objets. Donc du coup, on se retrouve un peu comme un go. Je me suis retrouvé un peu comme un con. Parce que Fouchou, ça j'ai, mais après le reste, j'ai pas. Donc voilà. Évidemment, j'en aurais pas. Et merde, fait chier. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que attends, je suis en train de me poser une question. Parce que si je la balance derrière là, est-ce que ça marche si je la balance pas derrière, si je la balance derrière? Non, je suis. Oh putain, je suis obligé de prendre la pailleuse. Bon, bah c'est pas grave. Je suis obligé de prendre une pailleuse et pour le coup vu qu'on peut pas faire d'emprunt non plus, bah on l'a dans le cucu. Bah c'est pas grave. Autrement qu'est-ce qu'on peut faire? Bah nous à la limite on peut se faire une fauche. On peut se faire une fauche. Normalement on peut se faire une fauche, quelle peur. Là ici je peux faucher. Donc du coup on va prendre le 14,55. Je vais dételer la fourche. Hop, je vais dételer la fourche. Ah, là pour le coup. Ah non.
Donc il faut bien sortir du trigger, c'est ça qui est chiant. Quoi? Parce qu'elle est pas posée au sol. Ah oui, d'accord, ok. Donc du coup on va aller s'atteler on va aller s'atteler la faucheuse. Pour le coup on va faucher et puis pour le coup je pense que d'ici là la fin de l'épisode sera fait. Donc du coup pour ce qui est des commentaires, j'ai eu que deux commentaires dans l'épisode dernier, donc franchement au niveau des commentaires ça commence à descendre. C'est un peu chiant quand même. Donc du coup, voili voilou. Donc bon, j'ai que Chelsea et le Tracker 38. Donc le Tracker 38, c'est lui qui m'a dit qu'il était sur Gold The Rush The Game, qui était disponible que sur Steam. Il était disponible que sur Steam à partir de 9,99€, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est à 9,99€. Donc du coup, voilà, c'est peut-être que je le prendrai, mais je suis pas très chaud pour le prendre. On verra bien qu'est-ce qui va remplacer, qu'est-ce qui pourrait remplacer la série du mardi, mais bon, on verra par la suite, hein. Hop. Allez, on va attendre que ça se déploie, voilà, hop, on baisse. Et puis on est parti pour faucher les amis. Donc du coup voilà, donc comme je l'ai dit dans l'intro, on va passer bientôt les 700. Donc je compte sur vous les amis pour partager un maximum, pour exploser le compteur, nous faire passer les 700 largement. Ça franchement ça serait super cool. Donc ça veut dire qu'on approche très vite des 1000 abonnés. Et pour le coup au niveau des heures de visionnage, ça c'est dans les clous, ça y est, on en a passé les 4000 heures. Et ça franchement ça fait super plaisir. Donc maintenant il manque plus que les abonnés pour que la chaîne puisse être monétisée. Et ça franchement c'est ça va être bah pour moi ça serait tout bon, hein, tout simplement. Donc du coup voili voilou. Et pour le coup normalement hier soir vous avez eu un live. Enfin, hier, en fin d'après-midi, vous avez eu un live. Je sais pas comment que ça s'est passé, parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, le live n'est pas encore passé. Donc comme vous le savez, je tourne une vidéo la veille du lendemain. La vidéo du lendemain, je la tourne la veille, pardon. Et pour le coup, ça me permet de pouvoir vous la sortir tôt, comme je le fais actuellement. Donc au lieu de la sortir je sais pas quelle heure la journée, elle sort le matin très tôt, comme ça vous pouvez regarder les vidéos avant d'aller en cours le matin. Et même pour ceux qui vont au boulot, parce que de base c'était sur une demande de l'un d'entre vous, parce que lui, cette personne-là se levait très tôt et n'avait pas le temps de regarder la vidéo à l'heure où je la sortais. Donc du coup, c'est pour ça que je la mets aussitôt. Après, c'est possible que ça peut changer, hein, les vidéos peuvent sortir plus tard. Je peux peut-être les mettre plus tard, je sais pas. Bah tiens, dites-le moi dans les commentaires, les amis, ça me ferait plaisir. Est-ce que vous souhaiterez que la vie... Merde. Est-ce que vous souhaitez que la vidéo, je laisse... que les vidéos, je les sorte... Putain, je vois rien. Que les vidéos, je les sorte... Putain, je suis la même connerie. Que les vidéos, je les sorte plus tard. Que je les sorte plus tard ou pas. De cette façon-là. Donc après, évidemment, je verrai bien hein, si je la sors plus tard ou pas. Donc après, putain, j'ai mon volant qui se fait la malle. Hop, j'ai mon volant qui se fait la malle, c'est chiant. Ouais, c'est mon tapis de souris qui m'emmerde, mais bon. Vu que c'est un tapis qui est grand, je préfère le garder pour ma souris, parce que voilà. Et ouais, ça c'est possible, ça peut changer aussi, parce que c'est vrai qu'avec un volant, c'est pas pratique. Donc putain. Oh la vache, mais je fais n'importe quoi. Ça fait de n'importe quoi. On va couper ça droit. Propre. Hop, voilà. Donc, dites-le moi. Bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les amis. Ça me donnerait une idée de voir si ça plaît que je la sorte aussitôt ou pas. Au moins que vous préférez que ça reste comme ça. Mais bon, bah, j'attends justement vos commentaires pour le savoir. Parce que, notamment, bah, je ne peux pas le savoir. Si vous ne me le dites pas, je ne peux pas le savoir forcément. Donc soit je la sors en milieu de journée, donc bien sur les coups de midi, ou alors le soir vers 17h, mais bon, vu qu'il y a un live à partir de 16h30 le mardi et le vendredi, bah voilà, ça colle pas vraiment. Donc après moi je pense que ça va rester comme ça.
Mais bon, on verra bien. J'attends quand même vos retours pour en savoir un petit peu plus. Donc du coup, voili voilouf. Et bah, pour le coup, pour ce qui est de la série du samedi, donc pour le coup, comme vous le savez, il ne nous reste plus que un, voire deux épisodes, voire un ou deux épisodes maximum avant que la série s'arrête complètement. Donc du coup, vous étiez assez nombreux, vous étiez quelques-uns à me le dire parce que j'ai posé la question en vidéo et en live. Et pour le coup, vous avez été quelques-uns à me dire, à me donner des idées de jeu. Donc il y a peut-être un jeu en particulier qui pourrait m'intéresser, qui pourrait être intéressant à faire. Donc pour le coup c'est là que je vous avais proposé du BNG parce que du BMG parce que vous connaissez pas, bah, a priori vous connaissez pas. Donc c'est bah, pour moi c'est l'intérêt de vous tout simplement vous faire connaître un jeu. Je pense que vous allez beaucoup aimer ce jeu, mais ça reste. Donc du coup, oui, vous avez eu encore un cut, mais de toute façon j'en avais un peu partout, hein, généralement là où il y a des petits blancs, je fais un petit cut vite fait. Donc du coup ce que je disais, oui donc ce jeu BMG, pardon, il m'a l'air vraiment très intéressant, même s'il est en anglais, il n'existe qu'en anglais, enfin il existe en plusieurs langues, mais sauf en français. Ça pourrait être intéressant quand même, parce que c'est un jeu assez intéressant. Après des jeux en anglais, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un à l'époque où j'avais acheté American Truck, non American Truck, Euro Truck. Je l'avais acheté en anglais. C'était une erreur, je devais pas, j'avais pas fait gaffe à la langue et pas manque de bol pour moi, j'avais acheté en mode anglais. Donc du coup, bah, le jeu était en anglais de A à Z. Donc du coup, voilà. Donc après, je sais pas si je vais vraiment le prendre ou pas. Donc à voir, après il y a beaucoup de jeux que j'aimerais bien vous faire les amis, donc c'est sûr que là au niveau des jeux il n'y a aucune limite, ça c'est clair et net, donc du coup voili voilou. Donc vous verrez bien, ça serait à peu près la surprise. Moi j'ai eu une idée de ce que vous voulez comme style de jeu. Donc du coup bah maintenant il me reste plus qu'à tout simplement faire en sorte que vous avez ce que vous voulez. Enfin entre guillemets. Parce que moi, si ça m'intéresse pas, bah, je vais pas le faire non plus. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc, du coup, voilà. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse bien sur BNG quand même. Parce que, bon, bah, j'ai regardé un peu comment il marchait. Donc, voilà, même s'il est en anglais, je vais finir par savoir comment que ça marche. Il suffit que je regarde quelques tutos à droite à gauche. Voilà, pour faire ce que j'ai besoin. Donc, du coup, voilà. Après, on peut faire énormément, énormément de choses dessus. Donc du coup voilà, donc de base c'est un jeu quand même, c'est un jeu de simulation de voiture. Quand je vous dis la simulation, c'est vraiment une simulation poussée. Franchement, franchement, n'importe quoi toi. Quand vous percutez une autre voiture ou un mur, votre bagnole, elle explose. Votre voiture, elle explose carrément. C'est ça qui est vraiment assez, c'est vraiment, c'est ça qui est vraiment, vraiment marrant à regarder. Hop. Là, 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 là. Donc oui, comme je l'avais déjà dit un peu plus tôt, mon objectif de farming sur la chaîne, c'est tout simplement pouvoir arriver à deux épisodes de farming sur la chaîne. Parce que pourquoi deux et pas un? Parce que tout simplement, pour l'instant, après à l'avenir, ça va peut-être changer. Mais c'est surtout pour parce que vous êtes quelques-uns quand même à beaucoup aimer farming comme moi. Et je pense que deux épisodes, c'est suffisant. Et comme ça me permet les autres jours de vous mettre un autre jeu différent. Et ça vous permettra aussi de ne pas vous lasser. Comme moi, ça m'évite de me lasser. Ça m'évite de trop me lasser. Pas de me lasser vite, surtout parce qu'au bout d'un moment, voilà, tout le temps du farming. Bah ouais, moi je me dégoûter du jeu. Vous allez vous dégoûter de regarder ce que je fais. Et puis au final, bah, personne sera content. Et c'est pas du tout mon but. Du tout, moi c'est ce que je veux, c'est passer des bons moments. Vous faire du bon contenu, quelque chose d'intéressant à regarder. Et bah pour le coup, voili voilou, même si c'est vrai que sur cette série-là, on tourne un petit peu en rond pour l'instant. Bon, ça commence à venir tranquillement, on a acheté nos premières vaches. Donc du coup, nous foulons du banné. Donc peut-être que je vais pouvoir louer une enrubanneuse. Je vais peut-être pouvoir louer une enrubanneuse pour enrubanner ce champ et le vendre, hein, tout simplement, ou le donner directement aux vaches. Je sais pas, on va voir. On va voir ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Merde. Hop. Donc du coup, voilà.
Bon, du coup, les amis, moi, je vais vous laisser avec un petit accéléré le temps que je finis le chant. Je ne vais pas en avoir pour bien longtemps. Donc, du coup, moi, je vous dis à tout à l'heure le temps d'une musique. Et puis, ciao! Donc du coup les amis, voilà, j'espère que ce petit accéléré vous aura plu. Donc oui, au niveau de la cam, j'ai des petits voilà, j'ai pas encore le réflexe de couper la cam quand de couper la caméra quand je suis quand je suis en accéléré. Donc du coup voilà, c'est une petite habitude qui devrait venir assez rapidement, j'espère. Donc du coup voilà, bon bah pour le coup j'espère que cet épisode vous aura plu les amis. Donc on a fini de faucher, donc du coup je vais ranger tout ça et puis bah moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager un maximum pour qu'on passe les 700 et puis ça nous choque.